Tu es là. T'as pas essayé de dormir un peu? Non, les volets ferment pas. Et puis alors avec ce soleil. Tu veux un café? Oui, c'est ce plat. Et les pieds, ça va? Je mettrai des baskets pendant quelques jours, ça passera tout seul. Je croyais que tu voulais pas faire cours en basket. Eh ben tant pis. Tu es sûre que c'est les ampoules qui t'ont empêché de dormir? Évidemment, pourquoi tu me poses cette question? Comme ça. Bon. Tu es rentrée tôt? Sandrine m'a demandé ce que tu avais. C'est gentil à ta soeur de s'inquiéter pour moi. Délicat. Très délicat. Oh, arrête, écoute, sois pas comme ça. Non, mais comme ça quoi? Mais gamin, franchement, à ton âge, c'est gamin. Ah, s'il te plaît, bois ton café. Hein? J'ai une sale tête, non? Non. Pourtant, j'ai oublié ma crème de nuit. Non, je t'assure, tu es très bien. Elle est jolie cette ferme, tu ne trouves pas? Je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de charme. Non, je ne trouve pas. Elle est vieille, humide, il y a du buis béni sur des crucifix en plomb, des toiles cirées sur des tables branlantes, et les scorpions nous guettent entre les pierres des toilettes. Rien de tel pour finir en occlusion intestinale le lundi matin. Et encore, quand je dis lundi matin, je suis optimiste. Parce que c'est moins risqué d'être opéré par un interne vietnamien à Paris en observation dans ce pays de gabage industriel, crois-moi. Ça va pas? Non, écoute, tu sais très bien que je déteste la campagne. On va pas revenir là-dessus, hein. Non seulement je déteste la campagne, mais en plus je déteste le week-end en groupe, je déteste l'odeur du canard et je déteste les mariages. Mais tout le monde a vu que tu détestais les mariages, Jean. Ils n'avaient pas encore apporté la pièce montée, t'étais au lit, avec la bouillotte et ton polar. Tu dansais très bien toute seule, je pense pas t'avoir manqué. Eh ben, tu te trompes, hein. J'aurais adoré danser avec toi. J'avais pas envie de me donner un spectacle. Un spectacle? Un homme qui danse avec sa femme? Non mais tu deviens dingue. Oh, s'il te plaît, fais pas celle qui comprend pas, hein. Ça m'énerve. Tu les as vus, Virginie et Laurent? Virginie? Celle qui a préparé le café pour la communauté? Oui. Ah, elle est parfaite, cette fille. Elle m'a même vouvoyé, non, parfaite. Et Maxime, il est debout? Maxime? Je sais pas. Tu m'avais pas dit que vous étiez revu? Comment ça, revu? Oui, dans les manifs contre la TVA. Ah ouais, ouais. Ça nous a rajeuni tout ça. La place de la Bastille. Enfin là, on n'avait pas la rose à la main. Mais tu l'auras plus jamais la rose à la main, Jean. Il va peut-être falloir que tu t'y fasses. Tiens, s'il te plaît, ne me parle pas comme si j'étais un de tes élèves, hein. Mes élèves, dès qu'ils sont majeurs, ils veulent Chirac. Et la rose, c'est la fleur qu'on leur distribue à Auchan, le jour de la fête des mères. Ils grandissent entre super discount et super menteur, crois-moi, hein. C'est une génération promotionnelle. Non, c'est bon. Hein. Donne-moi un café, tiens. J'ai un coup de blues tout d'un coup. Tu veux que j'appelle Sandrine pour voir si une voiture peut nous ramener sur Paris aujourd'hui? Non, ça va. On prendra le train lundi matin comme prévu. On va pas déranger la mariée le lendemain de sa nuit de noces, ça se fait pas. Ça se fait pas. Bah oui, ça se fait pas. Ce qui se fait, c'est omelette aux truffes entre copains, balade digestive, scrabble, apéro autour d'un vieux poêle à charbon, hein,
On se fera des confidences en sirotant leur art maniaque d'un air gentiment nostalgique. On écrasera deux araignées et trois scorpions. En avouant nos phobies avec courage et distanciation. Non, ça va être très bien. Arrête! Ça me fait chier, voilà, hein. Ça me fait chier d'être coincé là avec Maxime. Elle était obligée, ta sœur, de nous faire le coup de l'auberge de jeunesse. On pouvait pas aller à l'hôtel comme tout le monde. Tout le monde y est déjà à l'hôtel. C'est quand même pas de ma faute si ma sœur s'est mariée pendant un congrès sur maïs transgénique. Maïs transgénique. Oh putain, le maïs. C'est beau, si on allait marcher un peu. Je croyais que t'avais les pieds en sang. Moi, je peux marcher quand même. Nicole, arrête avec cette bonne volonté là, hein. C'est presque trop.